Attendez, 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 quoi? Je viens d'accoucher de 5 enfants, 2 petits garçons et 3 petites filles. Mais c'est pas possible. T'as vu ça, chérie? On a des... Je sais même pas comment ça s'appelle. T'as vu? C'est incroyable en vrai. Je comprends pas comment on a fait pour avoir ça. C'est incroyable. Bah oui. Je sais vraiment pas comment on a fait, hein. Mais vraiment pas. Mais comment on a fait ça? Moi, je croyais qu'on allait avoir des jumeaux ou un bébé. Je sais pas comment on a fait. Bah ouais, tu m'étonnes. Vas-y, viens, on rentre à l'intérieur. D'accord? Ça te parle pour qu'on puisse quand même coucher les petits, parce qu'à mon avis, ils doivent être fatigués. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Allez, on y va. Non, c'est de... Tu me donnes la petite et je vais la coucher, t'inquiète pas. S'il te plaît. Merci. Vas-y, installe-toi, mais moi je vais les coucher. Ici, il y a une chambre. Vais coucher un petit garçon, les 2 petits garçons, et attends, je vais coucher les filles avec lui, avec eux, parce que sinon, voilà, donc les enfants sont couchés. Je suis sûre et certaine. Bon. Ah, on se remet de nos émotions. C'est quand même, ça fait quand même plaisir de les voir comme ça, de voir nos enfants, n'est-ce pas? J'ai raison. Oui, t'es gentil. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Comme toujours, d'accord. Bon, bah, c'est gentil, t'inquiète. Il va falloir qu'on s'y habitue, du coup. À être de bons parents. Bon. Que se passe-t-il? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Mais on peut écrire. Mais c'est trop stylé. Oh, regardez, j'aime trop. Regardez ce qui est noté. Abonne-toi à Juliana. Bah alors faites exactement ce qui est noté sur ce panneau. Moi, je vais retourner faire le RP. Bon. J'aimerais rentrer la porte. Merci. Ouais. Chérie, ça va? Du coup, comme je le disais, ouais. Faut qu'on fasse en sorte que les enfants soient épanouis. Parce que... On doit tout faire. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on devrait vraiment tout faire. Mais attends, les prénoms! On n'en a même pas. Et comment on va faire pour les retenir? Je suis d'accord. Oui, mais comment on fait pour les retenir? On note. Ouais, bonne idée, vas-y.
Je vais t'installer avec moi. Bon. Moi, je prends un petit truc pour noter. Quelle feuille vais-je utiliser? Celle-ci. Et ce crayon. Alors, oula, réfléchissons. Réfléchis. Déjà une fille, pourquoi pas l'appeler Lily? Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Alors, je note Lily. Pourquoi pas une autre. Ou au pire, on fait un garçon, vas-y. Non. Pas ça, ça va pas m'aller. Ah, j'ai pas d'idée pour les garçons. J'ai fait tomber le stylo. Il est où? Il est où le stylo? Enfin, le stylo, le bouchon. Ah, je l'ai retrouvé. Je me rassois. Alors, t'as une idée pour un des garçons? Ou pas? Alex. Oh, pourquoi pas? Ouais, vas-y, je note. Hop là. Maintenant pour une fille. Pourquoi pas Allison, qu'est-ce que tu en penses? Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oh, Alison, c'est trop joli. Ah, bah alors, on va noter ça alors. Maintenant, un garçon. Réfléchis, vas-y, parce que toi, t'es spécialiste avec les garçons, vu que t'en es un. Et moi, pour les filles. Avec un L, ce serait bien. Ah, Louis, c'est vrai, c'est un beau prénom, Louis. Attends, j'essaye un truc, du coup. Ouais, non, finalement, non, pas Louis. Du coup, parce que sinon, on va galérer. Au pire, on fait pas avec un L, on fera avec une quille, un L. Du coup, on l'appelle comment? Je sais pas comment l'appeler. T'as une idée? Parce que moi, pour l'instant, j'en ai pas.
Ethan, mais oui, c'est bien ça, Ethan. Et maintenant, pour la fille, Luana? Oui, d'accord. Donc, Luana. Et voilà, on a les prénoms des cinq enfants. J'ai ici une, deux, trois, une, deux. Ok, c'est bon. On a les trois enfants. Ça, c'est fait. Hop. Du coup, il se fait tard, hein. Je vais me coucher, d'accord, mon chéri? Bonne nuit. Je vais d'abord prendre une petite douche. Hop, ah, bon, bah on va prendre un bain. J'aime pas trop, mais bon, on n'a pas le choix. Ça fait du bien. Oh. Ouais, ou pourquoi pas faire. Je veux pas, je me suis lavée, mais je vais dire à mon mari qu'on va prendre les enfants, on va prendre les enfants et on va tout de suite aller leur acheter des vêtements pour eux quand ils seront plus grands. Chérie, viens, on prend les enfants, on achète des vêtements pour eux quand ils seront plus grands. Ça te dit? Allez, vas-y. T'as les filles? Très bien. Alors, je prends les petits gars. Hop. Allez, on y va. Elle est où la voiture? Elle était là il y a 2 secondes. Ouais, on nous l'a volée, hein. C'est bien ce que je pensais. Allez, hop. Un là et un là. Chérie, tu viens, s'il te plaît? Les filles pleuraient. Ah bah. Ok. Allez. On va acheter des vêtements pour les petits loulous. C'est quoi ces gens-là qui rentrent comme ça dans les gens, mais ils sont tarés, franchement. Utilisez bien, s'il vous plaît. Peur de foncer dans les barreaux. On va passer par là, normalement on n'a pas le droit, mais bon. On peut pas? Ah bah non, hein, ils ont sécurisé tout comme coquillette. Hein. Comme une petite. Ah ouais. Ah, du coup, on n'a plus le droit de passer par là. Est-ce qu'on fait ça? Bon, allez, on y va. Ouais, non, on peut vraiment pas. Hein. Ils ont tout barré. Pas possible. Alors, je veux bien qu'ils fassent des travaux, mais barrez pas tout, s'il vous plaît. Attention, madame, restez pas sur la route, voyons. J'aimerais bien descendre en ville. Cela est possible. Attendez, c'est pas là le magasin de vêtements? Hein, qu'ils ont tout changé, on sait plus, hein. Attends, j'ai mis le GPS. Ouais, j'ai mis le GPS. Okay. Il est organisé par rapport à comment c'était avant. On va passer par là.
Ah, ici. Ça y est, j'ai trouvé. Et voilà, vous pouvez descendre. Vous restez dans la voiture? Moi, je vais aller acheter les vêtements. Ça va pas durer longtemps. Alors, le magasin de... Ah non, pour les filles. Enfin, les filles, ouais, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, non. Non. Enlevez-moi ce bins. Ok. Bon, bah voilà. On prend ça, ça et ça. Et ça, voilà. Et là, on va chercher pour les garçons. C'est possible. Je sais pas c'est où pour les garçons, moi. Il est nouveau. Et on a les toilettes hommes et les toilettes femmes. Vas-y, je cours un peu. Là, ici, c'est pour les livres. Ça, c'est un cinéma. Bon, au pire, on va retourner chez les filles. J'avais vu un truc qui faisait garçon. Je pense c'est pas un... s'il n'y a pas un coin garçon. Ah ouais, là. Ici, ouais. Voilà. Et là. Voilà, parfait. Je vais aller rentrer avec les enfants. Je vais les faire dormir. Ils sont où? Ah, notre sens pas. Et bon, je suis là. Coucou. Allez, on rentre à la maison. Maintenant que je connais la route. Ça, c'est pas nouveau. On l'a depuis longtemps. Hop. Et nous voilà rentrés à la maison. C'est bon, chérie, je peux descendre. J'ai les enfants. Bon, bah, on peut y aller. Allez, on va dormir sur le canapé ce soir. J'ai pas envie de monter. Sont pas possibles ces portes. C'est compliqué de devoir changer de maison quand... Bon, allez. Hop, je pose les garçons ici. Non, 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 je veux pas m'asseoir sur mes garçons. Et tu poses les filles de l'autre côté.
Voilà. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Bonne nuit.